pour vous montrer un petit peu comment ça évolue. Ça pousse pas mal. Par contre, les œillets de poète, ça donne rien du tout. Ils sont toujours là et je crois que j'ai mal fait mon truc. On verra bien. Donc, je voulais vous montrer les salades. Bon, je pense que le potager, ça sert à rien de vous montrer. Ça se présente toujours pareil, hein. Les potirons, ils commencent à sécher. Les fruits sont là, mais enfin, on a quoi? On a quatre potirons, deux tout petits, puis un moyen et un plus gros. Mais les feuilles commencent déjà à tomber et sécher, donc sécher et tomber plutôt. Puis les fraises, ça continue à pousser. Oh, les salades, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a des champignons au milieu de salades? En plus des mauvais champignons. Mon Dieu. Donc je vais les arracher, bien évidemment. Puis là, les salades, bon, c'est pas très gros pour l'instant, hein, c'est tout petit. Sachant que je les ai plantées quand même le 17 août. Nous sommes le 9, non, nous sommes le 7 septembre, ou 6 septembre, je sais plus. Donc, bon, quand même un petit moment, mais bon, on verra bien. Puis il faudra que je m'occupe d'arracher les mauvaises herbes. Ça commence à pousser un peu partout. Même là, il y en a plein. Mais ça, il faut que je prenne des gants. Parce que là, il y en a beaucoup. Un peu partout. Ah, il faut vraiment que je prenne des gants parce que sinon, berk, je vais me salir les mains. En plus, je viens de tout arroser. Hein. Regardez comment elle est beau. Magnifique. Voilà. Allons se laver les mains. Bon, on a une nouvelle
arrivée, arrivante à la maison, toute belle. Donc voilà, on va en prendre soin. Et puis, elle est vraiment magnifique. Hein. Et puis là, bah, les petits, ils sont toujours en train de pousser, j'espère. Ici. Bon, ça donne plus ou moins les pousses. Hein. Là, c'est la récolte, nouvelle récolte des fraises. On va voir ce que Chéri a fait. Bon, il a quand même bien bossé, mais on ne voit pas grand-chose pour l'instant. Déjà, il a trié tous ses cailloux. Puis là, il a ramené tous ses dalles. C'est énorme. Putain. Purée. Et puis là, voilà, il y a encore plein de sacs à trier, à ranger. Là-bas, là-bas, au fond, ça, ce sont les dalles qui étaient là d'origine. Là, c'est les dalles qu'il a achetées et qui a tout ramené tout seul. Elle a fait la découpe pour que ça rentre entre les pieds. Bah, elle a bien travaillé. Il y a encore beaucoup de taf, mais bon. Voilà, donc il faut aligner tout ça en fait, il faut enlever toute cette terre pour mettre droit les dalles. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Je crois que c'est très très dur ici cette terre. Ah ouais, c'est dur. Bon, on verra. Regardez-moi cette beauté. Enfin. Magnifique. Voilà, tout ce que vous voyez là à la verticale, ce sont du coup des fleurs qui vont sortir. Oh, c'est génial, ça va être trop trop beau. Voilà, c'est la première qui est sortie. Je suis trop contente. J'ai coupé les roses du coup parce que ça puisait l'énergie, mais elles étaient sèches. Voilà, trop heureuse. Et maintenant, on va s'attaquer au bain. Le bain qui est tout dégoûtant, on verra si j'arrive à le nettoyer. Bon bah, c'est tout ce que j'ai pu faire, hein. Mais je pense que ça se fait pas en une fois, il faut vraiment décaper plusieurs fois, hein, parce que c'est vraiment très très noir, hein. Je pense qu'il me faut peut-être un produit anti-mousse, je sais pas. Et en tout cas, ça s'est un petit peu enlevé quand même ici. Bon, il faut encore frotter, hein. Je vais peut-être mettre un produit qui va agir et puis après frotter, je sais pas, il faut que je trouve quelque chose. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. Voilà. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Il y en a déjà trois.
Trop beau. Regarde, on le voit bien à la caméra. Je vois bien. Ah, il mange les feuilles. C'est agile, je veux dire, la queue va bouger dans tous les sens. C'est rapide surtout. Eh ben. Ah, c'est beau, il pisse. Qu'est-ce qu'il fait? Tu penses qu'il nous regarde? Tu penses qu'il nous regarde? Je sais pas ce qu'il fait. Il bouge plus.